إن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا نعمة النسيان. فالإنسان إذا مرت به مصاعب ومصائب وفتن جعل الله سبحانه وتعالى النسيان دواء للإنسان، وهذه نعمة عظيمة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نسي أبوكم أي آدم، نسي آدم فنسيت ذريته. ولذلك سمي الإنسان إنسانا لأنه ينسى. فالنسيان نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. نستطيع من خلال هذا النسيان أن نتفاءل بالمستقبل وأن نعمل له وأن نتفاءل خيرا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل خيرا، قال: تفاءلوا خيرا تجدوه. إذن فلفت دوبلية c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce bienfait, il nous aide à remonter beaucoup de difficultés dans la vie. Il nous aide à avoir de l'espoir pour encore œuvrer vers notre objectif. Et c'est un énorme bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné pour l'être humain. Et dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: votre père Adam a oublié et vous aussi vous avez oublié. Il a oublié l'ordre juridique, et nous aussi ça nous arrive parfois d'oublier de ne pas outrepasser les préceptes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Faïdan had nisyan li kikhlina n'ishu yamutu laka qarib يهلك كثير من الناس، كما وقع في زلزال المغرب، كما وقع في فيضان ليبيا، عشرات الآلاف من الموتى من الشهداء، عشرات الآلاف من المفقودين، آلاف المنازل مهدمة، الناس لا تجد المأوى، لا تجد المأكل، لا تجد الأمن، لا تجد الشراب، لا تجد ما تلتحف الأرض وتغطيها السماء، الناس حفاة عراة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحملهم وأن يتكفل بهم وأن يرعاهم بعينه التي لا تنام. Quand on voit vraiment, nous on regarde ça de loin, mais ceux qui vivent ça, des dizaines de milliers de martyrs, des milliers de maisons détruites, une atmosphère dont tu ne peux pas vivre, des maladies, des cadavres qui sont mauvais, etc. Enfin, nous, on regarde de loin, on a l'impression qu'on est en train de regarder un film de guerre, mais ceux qui vivent à l'intérieur, s'il n'y a pas ce bienfait qu'Allah a donné à l'être humain, d'oublier, d'essayer de passer à autre chose, et d'avoir l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on vit toujours avec cet espoir dans notre vie. Mais en même temps, on a cet espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner ce qu'on souhaite, et ce qu'on veut, et ce qu'on espère. Mais en même temps, il y a une chose à prendre en considération, c'est cet oubli qui fait que la personne s'éloigne de la réalité. Insan kibqa insa hatta kibta'd 'ala al-waqi'. Hatta annahu kinsa annahu raha huwa makhlouq bash yidouz f hadha ad-dunya, ma makhlouqch bash yibqa. Kinsa bi annahu mashi makhlouq ghir bash yahsal al-mal w al-madda. Huwa makhlouq bash yahsal al-madda w bash yahsal al-ruh. باش يحصل الاستقرار النفسي والايمان. هذا هو علاش خلقوا الانسان، خلق الله سبحانه وتعالى الانسان. اذا ليتر هومان لي با فوني سور سيت تير جوست بور اماسي دو لارجون بور باتير اي بور افوار تو سكي ماتيريال، اي سي با لوبجيكتيف اولتيم.
Et ça, c'est ce que je viens de dire, le point très important dans cette religion. Faites la différence entre la réalité et tout ce qui est éphémère. On n'est pas ici pour se battre et d'être anxieux parce qu'il y a une augmentation du gasoil. On n'est pas là sur terre pour, si on ne trouve pas à manger, on va se suicider. Ce n'est pas un énorme problème pour un musulman sur terre. Ça, c'est le souci de quelqu'un qui se focalise sur le bas-monde. Et pour lui, c'est très important, c'est primordial. On ne sait même pas les gens comment ils vont faire. On ne sait même pas comment la vie va procéder. On ne sait même pas. C'est vraiment la fin du monde. Non. Ce n'est pas ça notre souci. Notre souci, c'est l'au-delà. C'est ça le souci. Et comme les gens qui ne croient pas, ils ne s'arrêtent, ils ne vont jamais s'arrêter de nous prendre, de nous confisquer nos convictions, notre façon de vivre, notre vision, même des fois les termes qu'on utilise, ils vont les confisquer, et en même temps on va les transformer à des termes et des conceptions qui n'ont rien à voir avec la religion. Voilà où est le waqa. واحد حنا عندنا كمسلمين ما خصناش ننساو الموت الموت نتاع القريب وما نبقاوش حزنين عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحزنن احدكم على ميت فوق ثلاث ما عندناش حنا لو دو او دو لا دي 3 jours juste pour une femme qui a perdu son mari هنايا 3 ايام ما عندناش السيمانه وال 40 يوم والعام وداك الشيء شي انفونسيون. Et on a parlé la semaine dernière comment les traditions et les coutumes prennent le dessus et gênent et baissent et amortissent la force de la religion. Qui fait le kadi, Jumu'a Mubaraka, Nahar, Sabah al-Khair, Kada. Peut-être que le kadi, je ne sais pas si je suis en train de faire ou la mahram, ou la. Il a dit l'insan haram, il a dit l'insan haram, ما بقينا كنعرفوا شنو هي الدين من ماشي الدين من اللي خصنا نديرو اللي ما خصناش نديرو اي سي سا لو بوت سي دو داريفي ا سيت كونفوزيون بور نو بلو سافوار سكي في بارتي دو لا ريليجيون سكي اي ليسونس دو لا ريليجيون الجوهر نتاع الدين وسكي اي تو سكي اوتور اي كي مي لا زيزاني بور فير تومبي سيت فورتريس كي اي لا فوا دان مسلمان اذا. On revient sur le point très important. On ne doit jamais oublier que notre souci, comme croyant, c'est pas le bas monde, c'est pas le gasoil, c'est pas le salaire, parce que tout ce que tu vas amasser, tu vas le laisser. Et ça, c'est la vérité. On te fait croire que il y a un très grand problème, un très grand souci, alors que une fois tu passes de l'autre côté. On ferme ton registre et on t'oublie. Le mkhir fina, le mjhed fina, gaa tihkem dunya, ra'is ki makan, ki mout ki jm'u lo, ki goulou bislama, mshahada, Allah y'aoun, Allah y'sallam, mshahada, Allah y'aoun, Allah y'sallam. Et donc, c'est bien d'oublier, mais n'oubliez pas que la priorité pour un musulman, c'est de construire, de bâtir son le-delà. Et de la même manière qu'une personne qui ne croit pas donne énormément d'estime, énormément d'importance à tout ce qui se passe dans le bas monde, même un centime, 10 centimes, on doit faire la même chose pour savoir est-ce qu'on a rajouté dans notre panier quelques hassanats. C'est ça les centimes. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Qu'est-ce que j'attends pour aller au pèlerinage? تنشوفوا الناس كثار مساكن وصلوا لان سيغتان اج il pense même pas, il réfléchit, ça lui passe même pas par l'esprit qu'il est dans l'obligation d'aller rencontrer son créateur, d'aller obéir à son créateur en allant visiter sa demeure, parce que c'est la demeure qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bâti sur cette terre. Et l'oubli, c'est très bien, mais
on ne doit pas oublier pourquoi on est là. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا كان الله سبحانه وتعالى يعاتبهم إذا نسوا ولو كان النسيان شيئا عارضا. Parfois, des prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté dans le Coran et dans les récits prophétiques, c'est que des prophètes, quand ils oublient une fois dans leur vie quelque chose primordial, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur fait la morale. Il leur dit, vous ne devriez pas oublier ça. Et revenez vers l'histoire de Youssouf alayhi salam. Quand il a demandé au chef cuisinier de transférer et de raconter son histoire au roi. Comme ça, il sait qu'il est incarcéré d'une manière injuste et que le roi le libère parce que il doit pas être emprisonné. فالله سبحانه وتعالى il a fait en sorte que Youssouf restera en prison pendant 10 ans. Alash, tu dois me demander moi, pas lui. Tu sais bien que celui qui va t'aider, celui qui va te sortir de ce problème, de cette tentation, c'est moi, c'est pas le cuisinier du roi. Les cuisiniers des rois. Regardez sur les télés. On va préparer ça, on va préparer ça, etc. Ils étaient toujours à travers l'histoire. Mais quand tu leur dis, c'est dans le Coran, les cuisiniers des rois, ils avaient une estime dans la société. هذا هو اللي غيدير لك هذا هو اللي غيطيب الشغل 3 وهذا هو اللي غادي يطيب الفلان وغيطيب الفلان اه دابا سي تري بيان باسكو سا فيان با دو كيلكان كي اون بارب كي اون جلابه اون سي بور سا كو جو فوز اي دي كو يانا دي جون كي سون ان تران دوبي لونتون ان تران دو نو كونفيسكي تو سكي اي كونسيبسيون ريليجيوز اي يفون لا كوبي اي لا كولي vers l'autre camp. Entabou la conception de la mort dans la société. Est-ce que vous sentez que les gens meurent dans la société? Vous sentez-vous? Moi, je sens que personne ne meurt. Comment je vais savoir? Comment on peut savoir que quelqu'un est décédé? Comment? On a l'impression qu'on vit et personne ne meurt. Jusqu'à ce qu'un musulman meure et on va aller lui faire sa toilette mortuaire. On voit qu'il est mort. À part ça, il n'y a pas de mort. C'est pour cela qu'on essaye de faire comprendre aux gens qu'il y a une... Imaginez qu'il y a une assurance de vie. Quelle est l'assurance de vie? Quelle est l'assurance de vie? L'assurance de la mort. فاش كتموت انت كيدي وحدين واش انت كتعيش الا الا كنت انت كي هو الا لامبريسيون كو تو فا فيفر ابري جو نو بونس با اذا ف الله سبحانه وتعالى il nous a demandé, il nous a donné ce bienfait pour oublier tout ce qui peut nous empêcher d'avancer et il nous a averti, il nous a mis en garde d'oublier que pour qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, c'est quoi notre objectif, et ne pas se laisser aller dans la même lignée que quelqu'un qui ne croit pas. Et vous savez que quand on vit dans la même société, automatiquement on est influencé et on influence en même temps. L'insan qui vit dans un société يتأثر ويؤثر معروف هذا كيتأثر وكيأثر. فلازم الإنسان المسلم يعرف بأنه مع العادة ومع لابيتود
Il a l'impression qu'il n'y a pas de mort, il a l'impression qu'il n'y a pas de vie après la mort, et que même s'il ment, même s'il prend l'argent d'autrui, ce n'est pas grave, parce que tout le monde fait ça, et l'éthique et la morale, ça tu le laisses à la maison. On ne peut pas avoir une éthique commune. Ce qui nous... Yani, qui gère les relations dans la société, c'est la loi, c'est pas l'éthique. Enaya, ma kaynch l'akhlaq, ma tqoulish ma tkdebch oula ma tsraqch. La, ana kankdeb hatta tahsanni. Ana kansraq hatta tahsanni, haka dayra. Ou fash katahsanni ma tqouli sraqti, nta sraq. La, ma tqoulch le président nta le nta la l'état tu as volé. La, atqoulo tu as transgressé la loi. Ora ma yemkinch hna na'ichou f une société hako khdama. C'est comme ça qu'il procède. Je mens, je fais la politique. Qui bi'a lik lhwa. Tiqoulk lhaja ou ydir l'aks. Tiqoulk lhaja ou ydir lik l'aks. Ou nta katayikh katqoulou hada. Falidhalik, Rabbuna subhanahu wa ta'ala, lama Lot alayhi salam, il était dans une détresse énorme. Là, sa communauté, ils étaient tous contre lui. Il vient de l'extérieur. Il n'a pas quelqu'un pour le protéger ni pour le défendre. Enfin, il a senti la faiblesse. Enfin, il a dit, si j'avais de la famille, si j'avais une force, j'aurais défendu mes idées et ma religion. Allah subhanahu wa ta'ala قال لوط لما قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال الله سبحانه وتعالى أنا والركن الشديد. Au lieu de demander aux gens de te défendre, il fallait me demander, même si tu es seul. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait toujours l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette religion, elle a débuté avec une personne, et cette personne, elle était soutenue par son Seigneur. Et c'est ça l'objectif de cette religion, c'est de ne jamais oublier celui qui nous aide à surmonter les problèmes de ce bas monde. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu al-ghafur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر ميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فتحدثنا عن النسيان، ما هو القصد؟ إن هؤلاء الناس إخوتنا الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لجواره، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. إذن الله سبحانه وتعالى celui qui choisit ces gens-là de partir de ce bas monde avec cette façon pour un but. C'est quoi le but? C'est quoi la sagesse? On ne sait pas. Lakin, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son choix pour eux, cette manière de quitter le bas monde, est bénéfique pour eux que de quitter ce bas monde sur un lit. On le sait, ça c'est 100%. Donc le mot est limato, shani'a, ni katban nahna, arfin bi inar bi bghir fa'lhum bihad darajat. Ou bghir karbhum l'firdaus l'a'la. وبغى يختارهم شهداء عنده قطعا، وان داكشي اللي اختار لهم الله خير من داكشي اللي كانوا غيختاروا. هذا سي اون سيرتيتود، ما كاينش اللعب، هادشي ما تنهضروش فيه. اذا كان الانسان لا ينسى اخوته، ولذلك كما قال لكم الاخ لو بروبليم كيا ان سينيستر سي Ça prend du temps, ça s'inscrit dans le temps. C'est des gens qui vont rester à l'extérieur pendant un an, peut-être deux ans, ils ont besoin d'aide.
et on ne doit pas les oublier, parce qu'il y a une vague qui passe, tout le monde est motivé, tout le monde est là, et c'est très bien. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce soutien qui s'inscrit dans le temps. Selon nos moyens, au moins avec le dua, au moins on ne les oublie pas dans notre dua, parce qu'on oublie vite. Et on sait que le dua, c'est une manière, et c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné pour pouvoir changer énormément de choses à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que quand on est convaincu que le dua est exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala, on va mettre tous les moyens pour arriver au but. L'insan li kid'i Allah subhanahu wa ta'ala ra kid'i hit huwa baghi dakshi w kid'i annam tiqan bi anna rabbi ghadi ya'tihi dakshi fash kidir machi kid'i w kiglis bhal hadak kiqol lak wad'i ma'aya lfaqin faq lfajr w huwa na'as ma'tal w ma dayrch rivay w ma baghish ynoud aslan w ma andouch lhem. Et donc, quand quelqu'un veut se réveiller le matin, il n'a pas le souci, il ne met pas le réveil, il ne veut pas, il n'a pas la volonté. Même si on leur fait un dua, l'humanité entière, il ne va pas se réveiller. Mais quand il travaille à 5 heures du matin, il n'a même pas besoin de dua pour se réveiller. Et c'est ça. On veut que la personne, quand il n'oublie pas, cette chose devient un souci. Ce souci, il se transforme en une volonté, et cette volonté, c'est elle qui va puiser tous les moyens pour arriver à l'objectif. Et c'est ça le but de cette khutba. An naj'ala ma 'indana min quwwa min du'a min mal min kulli ma namlik ma'nawi aw maddi qarib aw ba'id عندنا وعند غيرنا فيسهل الله سبحانه وتعالى بكل هذا عملا نافعا لنا ولأبنائنا ولإخواننا فنسأل الله سبحانه وتعالى كما أعنتم هؤلاء الناس الملهوفين وأعانهم كل المسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربكم كما فرجتم كرب هؤلاء الناس فإنه من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Comme c'est la même chose que tu fais, tu auras la récompense. Si tu as essayé de sortir quelqu'un de la détresse, Allah سبحانه وتعالى va faire la même chose. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الجزاء لأهل الصدقات.